Allez, gros match face à Bayern de Munich. Face à Juventus de Turin. Sorry. Allez, c'est parti. Et le but. Franchement, on vole sur l'eau. Je crois que c'est notre 7e but en Champions League, les guys. Voilà, voilà. On n'arrête pas de marquer chaque but à chaque match. C'est juste incroyable. Regardez, franchement, je me suis entraîné à mettre des buts en corner. Il le retrouve. C'est envoyé dans la... Quelle détente! Et le match est fini, les guys. On gagne 1-0. Franchement, on a tenu. J'ai eu quelques dribbles. Franchement, j'ai été encore l'homme du match, je crois. Hein. J'ai très bien joué. Je ne vais pas tout vous montrer, mais bon. J'ai eu quelques dribbles. J'ai eu quelques passements de jambes, là. Et après, voilà, on n'a pas trop tenu la balle, mais on a fait le job et on a gagné. Et homme du match, encore une fois, les guys. On commence à trop s'habituer. Et donc, 1-0, nous sommes premiers du groupe. Allez, c'est parti. Alors que l'équipe adverse n'en a eu aucun jusqu'ici. Il est là pour dégager. Va-t-il en profiter? La frappe! Le but! Oh, le but pour le Bayern Munich! Et le but! But de Serge Gnabry. Changer le scénario de ce match. Et je crois que le match va s'arrêter par ici. Et voilà. On gagne 1-0, match Serge Gnabry. J'ai eu quelques moments. J'ai pas vraiment frappé au but. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas une bonne note, mais bon. Allez, c'est parti, Bayern Munich contre Fribourg. Allez, dernier match, on n'a pas marqué alors qu'on est habitué à marquer à tous les matchs. Là, aujourd'hui, je dois marquer un doublé. Et le match est terminé. Franchement, un match nul. Nul, les guys. Franchement, on sentait que c'était cheaté, ce match. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Serginho part directement dans l'axe. Dommage, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. À moins qu'on ait le temps pour une... Alors les gars, je crois que ça va se terminer par ici le match. Franchement, un match pourri, pourri les gars. Je sais pas ce qui se passe. Allez, match face à Union Berlin. Bayern Munich. Il cherche la profondeur. Il vise le second poteau. Et la tête. Et voilà le but. But de Anthony Davis. Alphonso Davis. Je veux dire. Voilà, c'est parti. Allez, bon. Et voilà. Deuxième but de Sadio Mané. C'est parti. Deuxième but du Bayern. But de Sadio Mané. Aujourd'hui, je joue bien, mais... Voilà. Je n'arrive pas à marquer, mais quand même... Aujourd'hui, je me suis dit que je vais jouer, pour l'équipe, collectif. Parce que les buts, ça n'entre plus. Donc, du coup, je vais tout donner pour mon équipe aujourd'hui. Je ne vous montrerai pas tout parce que ça peut être très lent. Là, je récupère cette balle et là, on siffle faute. Franchement, parfois, vous voyez, parfois, le jeu ne veut pas que vous ayez votre moment de gloire. Bon, j'ai eu un moment de gloire. Davis qui a déjà marqué aujourd'hui. C'est parti. Peut-être là. J'ai voulu la donner. Hein. Bien, la profondeur. Va-t-il en profiter?
Et le match est terminé. Je crois qu'on va arrêter la vidéo par là. Hein. 2-0. On va voir ma note d'abord. J'ai fait un bon match. Ah, il me donne 6. C'est énervant quand tu fais un bon match et que tu vois, tu donnes une petite note comme ça là. Mais ça va diminuer hein, ma note globale. Hein. 7-7-0. Alors, je suis à 89. J'ai pas trop évolué. Je m'attendais à être à 90 directement ou 91. La négociation liste offre. Paris Saint-Germain veut ma peau. Christophe Galtier. Je me dis peut-être qu'il faut que j'aille à Paris. Ou bien je reste à Bayern pour une autre saison. Ok, je vous laisse sur ce. Je vous laisse sur cette dernier truc. Voilà, sur ce dernier truc. Et vous allez me dire que j'aille à Paris ou que je reste. Hein. Décidez-vous, dites-moi en commentaire quel club vous voulez que je reste au Bayern ou que j'aille à Paris. Bien que j'attende avant, je ne signe aucun contrat et que j'attende quand nous arriverons en juin et là je pourrai me décider. Parce que Paris m'offre 21 millions, Bayern aussi m'offre bien 20 millions. Mais Paris me tente. Aller directement jouer avec Mbappé et tout, c'est chaud. Je crois que Mbappé est toujours à Paris, si je ne me trompe pas. On va voir même Paris. Info sur base de données, information d'équipe. Ligue 1, PSG, temps de jeu. Voilà, on va voir qui sont là. Kylian Mbappé est toujours là et Kitike est là. Voilà, si je viens, je peux jouer en tant que milieu offensif ou bien même en tant qu'attaquant. Neymar, il est toujours là. Neymar, il a vieilli à Paris. Il a quel âge ici? 5 ans. Mbappé, il a quel âge? 29 ans. Franchement, c'est... Bukayo Saka, franchement, je suis tenté d'aller là-bas. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans quel groupe? Phase de groupe, on va voir où en est le Paris Saint-Germain dans les phases de groupe. S'ils sont pas en Champions League, voilà, ils sont là avec Sporting Braga. Ils sont franchement dans un groupe facile. Alors vous allez me dire, on arrête la vidéo par ici, vous allez me dire si je vais à Paris. Ou que je reste à Bayern, ou bien que j'attends en juin pour voir si je vais rester à Bayern. Je vais rester à Bayern, ou bien je vais aller à Paris. Donc, on se revoit au prochain match. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À plus.